Ça plane du côté de Courchevel. Un tremplin de 120 mètres, des skieurs qui s'envolent dans les airs. C'est la 29e édition du Grand Prix d'été de la Coupe du Monde de saut à ski. Les meilleurs mondiaux de cette discipline se sont retrouvés les 9 et 10 août sur le plus grand des tremplins de Courchevel, les hommes et aussi les femmes. Normalement, lors de la Coupe du Monde d'hiver, elles sautent uniquement sur des normal hills, ils appellent ça, sur des tremplins de 90 mètres. Et là, exceptionnellement, on saute sur le grand tremplin. Donc on n'a qu'une trentaine, on n'a que les 30 meilleures mondiales qui sont capables de sauter sur ce grand tremplin. Beaucoup de monde sur le site olympique savoyard, pas seulement pour le spectacle dans les airs, mais aussi pour les nombreuses animations proposées pour tous les âges, en marge des compétitions. Les athlètes apprécient cette effervescence. Il y a quand même pas mal de spectateurs qui viennent et c'est vraiment une ambiance assez spéciale parce qu'on n'a pas tout le temps ça pour les compètes de filles, quoi. Du coup, c'est bien, c'est cool. Au total, 15 000 spectateurs qui ont pu aussi admirer les évolutions aériennes d'avions de voltige. Depuis une dizaine d'années, on a décidé de créer une animation qui se rapproche un peu du saut à ski, donc qui reste dans les airs. Donc ça a été assez facile pour nous de le trouver avec le saut à ski plus l'altiport de Courchevel. On fait venir différentes sortes d'avions. Ça va du modélisme jusqu'à la patrouille de France, aux rafales, aux avions de voltige, aux vieux avions. Un show total sur deux journées et comme chaque année, c'est gratuit.